Mathieu, tu as été un personnage emblématique dans Les Anges, on s'en rappelle. Tu nous as offert des séquences inoubliables. Mais tu n'es pas la seule ici. Non. Aujourd'hui, elle on est jeudi. Oui, oui. Oui, oui. Ah, ben tu vas voir les dos qu'on va sortir, les amis. Ça s'appelle le Mad Max sort les dos. Oh non. Alors, autour de la table, qui s'est déjà bouffé une baie vitrée en pleine face? Oh, pardon, excusez-moi, on regarde. Oh putain. Oh. Attends. Mimi, Mimi. Non mais, ah mais, ah mais. Putain. Je suis. Et t'as vu le clash fini d'un coup? Oui, c'est ça. Après, t'as l'air con, quoi. Dis-nous, Aurélie, ma belle. Mais je disais ça, en fait, qu'elle était super vénère, et puis une fois qu'elle s'est rapprochée, elle a dit, et plus de clash. Après, ils ont été boire l'apéro, tout allait bien. Bon, elle a vu l'apéro comme ça, ça va, toi? Ouais, ça peut aller. Oh, putain. T'as tellement envie de te cacher. Alors, les amis... Vous foutez quand même pas trop de la tête de Myriam Abel, hein, parce qu'on a des doses sur tout le monde. Par exemple, est-ce que vous, vous avez déjà participé à un concours de Miss, Benoît, Aurélie, Émilie? Non. Hein, non. Moi? Regarde Aurélie qui fait non, 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 mais bah, si. Bah si, toi. Aurélie, t'as jamais participé à un concours de Miss? Plus ou moins. Peut-être bien, peut-être bien. Bon, tu peux pas mentir, on a toutes les images. C'était en, les amis, Miss Belgique en 2009. Oh, regarde, on va se marrer. Non, Martial. Bonjour, je m'appelle Aurélie Van Dalen. Avec l'accent belge. Je mesure 50 kilos. Je pèse 1,82 m et j'habite dans l'Aveyron. Bonsoir. T'étais arrivée en combienième, ma belle? Ben écoute, j'étais Miss de ma région, donc Miss Brabant Flamand, et après à Miss Belgique, j'ai dégagé parmi les 10 premières, donc déjà, pas très loin. C'est déjà beau d'avoir participé. Bebe, toi, les concours de Miss, non les... J'aurais aimé. Ouais. J'aurais aimé. Non, de Miss, hein, couronne. D'accord. Si mais non, je le faisais chez moi avec mes cousines. Je mais... te vois bien, tu sais. Ah. C'est moi, hein? C'est moi. J'adore. Alors, les Miss. On va passer à notre dos, on se marre bien. Hein. Qui a failli perdre la vie en faisant du canoë dans une mare aux canards, les amis? Hein? Du canoë dans une mare. Mais non, c'est toi, Martial. Non, il me semble pas que ce soit moi. Ma belle encore? Ah non. Non. Mais les amis, il assume rien. On va regarder la réponse en image, les amis. On regarde. Au canard. Ah, ah, ah merde. Ah, je me suis fait mal. Eh ben, je me suis viandé. Je me suis étalé. Ah, je saigne comme un con. Aïe. Je prends un morceau d'ouate et je mets le produit et ça pique. Le pire de cette histoire, c'est que je me suis carrément ouvert le pied. Amélie m'a dit, moi, je suis une maman, je vais te soigner le pied et tout. Elle me soigne le pied. Le problème, c'est que je hurlais parce qu'elle s'est aperçue après que c'était du détergent pour les chiottes avec quoi elle m'a soigné le pied. Le lendemain, j'avais le pied, mais comme ça, c'est une horreur. J'ai adoré ton accent de la Belge enrhumée. J'ai adoré. Oui. Il y a un problème. Et les amis, on en parle ou... On en parle où Amélie Nethen, elle est dans tous les plans, mais elle, il n'y arrive jamais rien. Elle, juste, elle regarde, elle rigole. On est d'accord, elle est partout. C'est vrai, ça. La vitre, elle est là, peut-être elle sera ailleurs, on va voir. En tout cas, on l'embrasse, Amélie, on lui fait des bisous. Allez, juste pour le kiff, est-ce que l'un d'entre vous a déjà participé à Tellement Vrai? Oui. Ouais. Ah ben, tu vas... Ah, franchement, Myriam, si t'as pas vu ça, je suis désolé, t'as raté ta vie. Je suis désolé, je vais te le dire. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les plateaux repas à la cantine, ils étaient très, 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 très bons en regard. Ah, putain. Et au début, ils vivaient sur un canapé dans une maison avec des potes, et maintenant, ils vivent avec, avec plusieurs personnes. Et c'est d'ailleurs l'histoire de la chanson, ce qu'il nous disait tout à l'heure, déménager, vivre sur un canapé, un peu galérer, et après, faire sa vie et ce qu'on a à faire à Londres, un peu comme nous tous. Tu joues bien, ma Mimi. Alors ça, non, mais je vais vous expliquer, c'est pas moi, arrête, c'est une personne qui m'avait mangé. Elle m'a recraché après des années plus tard. Et c'est pas...
Et cette personne en gros blanc derrière moi, qui êtes-vous, mademoiselle, derrière moi? Elle me dit quelque chose, la brune. Et c'est normal, ce qu'elle est animatrice. Non, c'est pas Josiane, calme-toi. Ah, elle est animatrice. C'est pas Josiane, calme-toi, bébé, ça n'a rien à voir. Elle était sur Rire et Chanson. Voilà, merci. Ah oui. Et elle était sur Énergie 12 aussi. Dans le labo de Davido. Dans le labo, ça c'est vrai. Mais c'est qu'elle a connu du monde, la Mimi. C'est qu'elle a bourlingué, la meilleure copine. Ouais, la best friend. Elle a bien. T'avais envie de continuer, mais tu vas pas foutre la honte à tout le monde sans qu'on te foute la honte. À un moment donné, faut... Alors moi, je suis au courant de rien. Vas-y. Alors, je vais vous expliquer ce que ce monsieur, avant de nous foutre la honte, avant d'être animateur, avant d'être chanteur, il se prenait pour un humoriste. Teaser à l'américaine. Attention, grosse balle. Hein. Après 56 heures en salle de travail, madame et monsieur Bétirac sont heureux de vous annoncer la naissance de l'enfant prodige. Marche. Non, j'ai pas changé, je fais toujours des conneries. C'est un spectacle, justement, c'est avec ce genre de spectacle que je jouais avec Anthony Joubert partout en France. On faisait des festivals. Et j'embrasse, entre parenthèses, Teddy Prod et j'embrasse aussi l'Espace Gerson à Lyon. Voilà.